Ça y est, j'ai enfin fini ce mauvais jeu, parce qu'il paraît qu'il est très mauvais, l'histoire est très nulle. Beaucoup de gens disent que ça vaut pas la peine d'y jouer parce qu'il y a des bugs assez chelous et des trucs comme ça. Mais en réalité, les gens ne savent pas apprécier une bonne histoire, c'est tout. Bonjour à tous, c'est Yona. On se retrouve aujourd'hui pour mon avis sur Pokémon Violet. Après avoir terminé la Ligue Pokémon tout juste hier soir, je reviens sur le fait que beaucoup de gens ont critiqué le jeu. Parce que soi-disant, il était buggé, soi-disant, il était pas beau, ou que l'histoire était pas top non plus. C'est juste que vous savez pas apprécier quelque chose de bien, les gars. Vous êtes venus sur Pokémon en croyant quoi? Qu'un jeu comme ça sur Switch allait être aussi beau qu'un jeu sur Play, ou sur Xbox, ou sur PC. Faut arrêter, hein. Y a pas une RTX 3000 hein, là-dedans, ni un processeur gaming. Certes, c'est une console de gaming, mais faut pas oublier que la Switch à la base c'est une console pour s'amuser en famille, comme la Wii. Faut arrêter, hein. Et puis les gens qui critiquent oui Pokémon il est pas beau nanana, je suis sûr que vous jouez à Minecraft. Donc à un moment donné faut arrêter les bêtises, parce que dire que Minecraft c'est un beau jeu, je sais pas d'où vous venez hein, les gars. Sinon parlons positivement. Alors j'ai eu d'agréables surprises en jouant à Pokémon Violet par rapport à son histoire. Oui, l'histoire de Pokémon est incroyable. Alors, on va parler ici des trois histoires, donc si vous n'avez pas fini Pokémon et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à arrêter la vidéo ici parce que je vais rentrer dans l'histoire très en détail. Et surtout, j'ai pas envie que vous ratiez les émotions que j'ai eues moi, donc si vous voulez arrêter ici, je vous demanderai juste de laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire pour le passage. Voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe, alors on va parler des trois histoires, chacun en séparé. On va commencer d'abord par l'opération Stardust. Alors l'opération Stardust est l'histoire de la Team Star qui est très surprenante au début parce qu'on pensait que c'était les méchants. Et en réalité on s'en rend compte à la fin que finalement ils veulent juste se venger du harcèlement qu'ils ont eu à l'école. Voilà. Et je trouve ça triste que ils ont voulu se venger parce que c'était des personnes apparemment, bah, de ce que j'ai compris, repoussées par l'école parce qu'ils étaient différents, soit trop intelligents, ou trop forts, ou voilà. Tout simplement parce que quand on est différent à l'école, bah, on est boycotté, tout simplement. C'est triste. Voilà. À titre perso, ça m'est arrivé aussi, parce que je portais des lunettes. Donc voilà, je sais ce que c'est. Mais voilà, quand on apprend la fin de l'histoire et tout ça, il y a une belle fin qui vous attend. Finalement, ils n'ont pas été punis pour ça, parce que le proviseur a compris leur mission, entre guillemets. C'était de pouvoir se montrer à la même valeur que les autres élèves, c'est ce que j'ai compris. Donc je trouve ça beau finalement. Ils ont réussi leur coup et ils pourront réintégrer l'école normalement sans problème. Espérons pour eux. Donc voilà. Sinon, on va s'attarder sur la mission, enfin sur l'histoire, le parfum de légende, donc qui raconte l'histoire de Paper à la recherche des épices sacrées pour sauver son chien qui était gravement malade. Alors, au début ça peut être bateau, en mode oui il va sauver son chien, nanana. Mais il faut savoir que finalement Paper veut sauver son chien parce que c'est tout ce qui compte pour lui à ses yeux, parce que malheureusement il n'a pas eu l'amour d'un père, c'est comme ça que je l'ai compris. Un père trop occupé par son travail et qui prend son enfant comme un larbin. Parce que franchement, quand il lui parle, bah, on se pose des questions s'il y a vraiment de l'amour derrière. Après, il y a un dénouement à la fin de l'histoire qui explique pourquoi il était si froid. Mais je vais pas rentrer dans les détails ici, même si j'avais dit que j'allais spoiler, mais la révélation, elle fait mal. Et je trouve ça triste pour lui. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Sinon, on va parler de l'histoire principale, donc la voix du maître, je crois que c'est ça. Je vais aller voir, je suis plus sûr, mais je crois que c'est ça, la voix du maître. Alors, on va aller voir. Alors, on dézoome. Oui, c'est ça, la voix du maître. Donc, la voix du maître, bah, c'est comme dans n'importe quel jeu Pokémon, c'est les arènes et la ligue Pokémon. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, par rapport aux arènes, il n'y a plus vraiment de dresseurs, entre guillemets, qui vous barre la route avant le champion. Ici, c'est plutôt des épreuves qui vous montrent que vous êtes apte à combattre le champion. Je trouvais ça sympa. Certes, c'est très différent de d'habitude, mais ça fait un peu penser aux épreuves de Alola. Vous vous rappelez, où on avait des épreuves, mais qui remplaçaient les badges. C'était plutôt des épreuves de... pour acquérir le badge, entre guillemets. Mais c'était pas des... enfin, c'était différent. Ici, c'est surtout des épreuves de compétences, je dirais. Afin de prouver que vous avez l'étoffe d'un futur maître. Voilà, et puis bah, les champions c'est des combats normaux, et la ligue Pokémon, on va en parler aussi. Parce que la ligue Pokémon ne contient pas de route victoire, comme d'habitude dans les anciens jeux. Ici, c'est un bâtiment qu'on appelle ligue Pokémon, dans lequel vous allez enchaîner les 4 combats, après un examen QCM, je dirais, et on s'attache... Enfin, on s'attarde sur les 4 combats qui s'enchaînent, bien sûr avec possibilité de se soigner, sinon ce serait un tournoi, mais ça ferait mal. Et à la fin, on affronte le maître de la ligue. Et voilà. Et alors, quand on a fini les 3 histoires, il y a la 4e histoire, entre guillemets, qui se lance, c'est l'histoire du cratère, dans lequel vous allez avoir plein de surprises. Ici, dans Pokémon Violet, je sais que le cratère est différent de Pokémon Écarlate. Parce que voilà, j'ai un ami qui a Écarlate et qui m'a dit que c'était différent. Parce que bah, dans Écarlate, c'est surtout des Pokémon du passé. Alors que, ici dans Violet, c'est plutôt des Pokémon du futur. Mais pourquoi est-ce que des Pokémon d'une époque différente viennent ici, à Paldéa? Ça, on va vous expliquer pourquoi. On va vous expliquer ce qui se passe exactement. Mais je ne vais pas en parler ici parce que l'histoire du cratère vaut le coup d'être vécue. Je vous conseille de le faire. Je vous conseille d'ailleurs de jouer à Pokémon Écarlate et Violet. Ne coûtez pas les critiques sur les sites internet qui critiquent négativement ce jeu. Parce que ce n'est pas le cas. Ici, on est sur un jeu, je ne sais plus si je l'ai dit au début de vidéo, qui n'est pas très graphique, mais qui est riche en contenu. Voilà. Donc, par rapport à l'histoire du cratère, il faut se préparer parce que il y a beaucoup d'émotions qui passent, il y a beaucoup de tensions aussi parce qu'on se demande qu'est-ce que c'est que cet endroit, qu'est-ce qui va se passer. Et à la fin, on a, pour terminer l'histoire principale, donc pour terminer on va dire l'histoire du jeu, on se retrouve face à une révélation de fou, un combat épique, et voilà. J'ai oublié de... Je pense pas avoir parlé du fameux trésor. Parce que quand on termine la voix du maître, on nous dit, voilà, qu'est-ce que c'est votre trésor? Alors, quand j'ai entendu cette phrase, je pensais que ça allait être, comme beaucoup disent, une chasse au trésor, parce que c'est ce qu'on vous dit à l'école. On vous dit, voilà, vous allez faire une chasse au trésor. Mais c'est pas une chasse au trésor avec un trésor en forme de pièce à la clé. Ici, on vous demande de trouver votre propre trésor. Mais qu'est-ce qu'un trésor si ce n'est pas de pièces? Ça peut être une belle maison, de beaux matériels, genre une belle voiture, un beau bateau, enfin... Ça peut être cliché, mais c'est comme ça que les gens y pensent. Mais ils oublient le plus important. Le plus important des trésors que vous avez, c'est votre famille, vos amis, et... les nombreux voyages que vous avez faits. Et à Paldéa, on se rend compte que c'est tout ça en même temps. C'est le voyage autour de Paldéa, les amis que vous vous faites durant l'aventure, et vos Pokémon. D'un côté, c'est vos amis aussi. Donc voilà, moi je l'ai compris comme ça. Après voilà, c'est différent à chacun, mais moi je l'ai compris comme ça. Donc il faut arrêter de dire que Pokémon c'est pour les enfants. parce que le harcèlement, ça peut arriver aux jeunes enfants, mais aux enfants de 15 ans aussi, donc ils sont pas tout jeunes non plus. Donc voilà, faut arrêter. Et puis perdre un parent, ça peut arriver quand vous êtes enfant, je vous le souhaite pas, mais ça peut arriver à des gens plus âgés. À titre personnel, ça m'est arrivé aussi. Quand j'avais 26 ans, pardon, j'ai perdu mes deux parents en une année. Donc, si j'avais pas mes amis à mes côtés et le reste de ma famille, bah, je serais plus là aujourd'hui, parce que j'aurais plus le courage, tout simplement. Donc, tout ça, ils ont abordé, je pense, plusieurs thèmes en même temps sur ce jeu, pour montrer que c'est pas de la rigolade et que ça existe. Le harcèlement, j'allais dire sexuel, mais non, le harcèlement scolaire, pardon, ça existe. La perte d'un parent, ça existe, malheureusement. Et trouver son trésor, tout le monde souhaite le faire. Voilà. Donc, je vais pas aller plus loin dans cet avis. Je suis d'accord avec le site jeuxvideo.com qui donne la note de 16, parce que il y a des points négatifs, bien entendu. Alors, quand on voit les bugs sur les réseaux sociaux, tels que TikTok, j'en vois des belles qui montent des bugs de personnages défigurés ou des trucs qui manquent. Ça, je comprends pas comment c'est possible. J'ai eu juste un bug une fois. C'est que quand on capture un Pokémon, parfois il y a le décor qui a un bug. Donc par exemple, l'eau qui disparaît quand on est dans l'eau. Ou quand on est sur la terre, bah, je passe en dessous de la map pendant la capture, mais que ça revient après. Ça, c'est un mouvement de caméra qui peut-être a été mal réglé. Mais ça, c'est tout. J'ai pas eu des bugs de téléportation, des trucs comme ça. Il faut arrêter. Ou de défigurage. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous avez compris. Donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content de faire cet avis, parce que j'ai voulu terminer Pokémon avant de faire cet avis, parce que je voulais prouver que le jeu était bien. J'en avais conscience au début et au milieu du jeu, mais ici, maintenant que j'ai terminé le jeu, je suis content de vous dire que ce jeu en vaut la peine. Si vous avez hésité par rapport aux critiques, je vous le conseille. Ne vous attardez pas sur les moindres le moindre détail par rapport au graphique et tout. Sinon, vous n'allez pas y jouer, ça c'est sûr. Parce que les gens, ils vous diront que ce jeu, comme j'ai entendu, c'est de la merde. C'est nanana, plein de critiques, d'arguments négatifs. Mais est-ce qu'ils ont vraiment joué au jeu? Est-ce qu'ils se sont concentrés sur l'histoire? J'en suis pas sûr. Donc voilà. Le seul point négatif que je trouve ça dommage, mais ils l'ont peut-être fait pour une bonne raison, c'est que quand on est dans les villes, on peut pas vraiment rentrer dans les maisons, alors qu'avant on pouvait. Mais ils se sont concentrés sur le fait que la ville soit animée et que les gens sont dehors, occupés à jouer, occupés à travailler, je pense, parce qu'ils ont fait ça comme ça. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de PNJ dehors en général dans les villes, alors que normalement ils sont plutôt à l'intérieur et il n'y a pas beaucoup de monde dehors. Donc c'est un peu différent, mais pour moi ça m'a surpris. Mais je pense qu'ils l'ont fait pour une bonne raison. Donc voilà, on va s'arrêter sur ces paroles par rapport à mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors dites-moi par rapport à la qualité de l'enregistrement, parce que j'ai voulu filmer avec mon nouveau boîtier, mais je sais pas pourquoi il veut plus. Donc je suis repassé sur l'ancien boîtier avec lequel j'ai livé et que j'ai fait des vidéos il y a longtemps. Donc le AverMedia Lite, qui est branché au PC. Donc j'ai essayé de régler un petit peu OBS pour qu'on ait une qualité vidéo optimale, avec un son pas trop dégueulasse. Donc j'espère que vous me direz ce que vous en avez pensé. Autant sur le contenu de cette vidéo et autant sur la qualité, je suis quand même curieux de savoir ce que vous en pensez. Et sinon, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.